YouTube bonjour, c'est John Kazma, j'espère que tu vas bien, on est back de retour aujourd'hui messieurs dames pour une quatrième session qui sera peut-être la meilleure. Est-ce qu'on peut se permettre de se dire que le jeu commence? Allez, on arrête avec ce genre de blague. Cela dit, nous venons d'arriver à l'hôpital et c'est un endroit qui a l'air incroyable, notamment parce que j'étais en train de le dire avec le stream, mais en ce moment, je suis un petit peu en manque de ces vieux RE façon RE2, vous savez, avec le Comico, où on est enfermé dans un endroit, plein de pièces à visiter, tout un tas de petites énigmes, des couloirs de combat, etc. Et il s'avère que la map est immense, donc on va y rester un moment, beaucoup plus qu'à l'hôtel. On a récupéré des cartouches de pompe, donc on sait ce qui nous attend. On a un bout de tôle qui vient remplacer le bout de bois qu'on avait, qui n'était pas forcément naze, mais pour le coup... Avec ça, ça devrait mieux se passer. J'avais pas fouillé ce tiroir. Et je me faisais une réflexion. Parce que là, du coup, on avait ce cadenas. Et je me rappelle que, dans la dernière session qui était pour nous hier, on a récupéré... ce message... Non, attendez. Ce message. Qui disait... J'ai noté ça de façon à ce que tu puisses enfin t'en souvenir. Une fois à l'accueil, regarde autour de toi. Et surtout, n'oublie pas. Infirmière, médecin, arbre. Et en fait, je n'avais retenu que la fin, mais j'avais pas... capter que c'était à l'accueil là où j'étais. Et en checkant rapidement, chat, il s'avère qu'il y a des tableaux qui sont là, avec justement des infirmières, des médecins et des arbres. Donc on va noter tout ça, chat, et du coup, on va peut-être pouvoir déverrouiller déjà une première clé avant de se rendre à l'étage et de retrouver la pchotte qui m'y attend normalement, en vie ou pas, avec ou sans sa tête. On verra bien, mais en attendant... Alors, infirmière égale 7. Ok. J'avais vu qu'il y avait ce tableau-là. Donc, médecin égale 2. Parfait. Et plus loin, il y avait les arbres. Arbre égale 4. Il est possible que l'hôpital, ce soit vraiment ma partie préférée. D'ailleurs, j'ai regardé des trucs pour savoir un petit peu ce qu'en pensaient les gens. Encore une fois, je suis pas le seul à avoir tous ces ressentis depuis le début, des moments de longueur, des phases de gameplay pas forcément aussi nerveuses ou aussi intéressantes que ce qu'on pourrait croire. Mais par contre, il y a toujours des défendeurs du jeu, forcément, il en faut. Et quelque part, moi, je suis vraiment entre les deux, tu vois. Je suis pas là à être contre le jeu, je suis pas là à être avec le jeu. Mais c'est vrai que j'attends vraiment d'avoir le fin mot de tout ça, histoire de vous faire mon avis réel, parce que là, pour l'instant, c'est très, très, très compliqué. De savoir ce que j'en pense réellement, parce que, voilà, l'air de rien, j'avais quand même hâte de revenir jouer. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui m'attire au final. Voyons voir. Donc, dans les docks. Attends. Ça. Donc, c'était arbre, docteur, infirmière. Donc, c'est... 4. Pardon, 4. Docteur, donc, médecin, et infirmière, c'est 7. Attention! Et bah, c'est pas ça. Voilà, j'ai tout essayé. Donc, écoutez. Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve dans une prochaine session. Avec pour objectif de comprendre ce cadenas. Et cette fois-ci, peut-être d'avancer. Bon, bah, tant pis. Non, mais j'ai noté quand même les chiffres. Si ça se trouve, ce sera pour autre chose. Ça se trouve, il y a d'autres tableaux aussi. Hein. Ouais. Non, mais direction premier étage. Premier étage, on va aller retrouver la ptiote. Et ensuite, on verra comment ça se passe. Cette énigme ne servait pas à ça, d'accord? Ce n'est pas un fail. C'est juste pas le bon endroit, ok? Je le savais, chat, je le savais. Il fallait juste qu'on vérifie la théorie. Ou alors, j'ai vraiment très mal noté. Kazma, est-ce que tu comptes jouer à Red Dead 2? Oui. Je sais pas pourquoi on me demande autant Red Dead 2, mais oui. Oui. Et j'ai déjà fait un LP que j'ai annulé en cours de route parce que vraiment c'était pas du tout le jeu auquel j'avais envie de jouer. Un jeu excellent, mais c'était pas du tout le jeu auquel je voulais jouer. Attendez, parce que ça c'était pas prévu. Comment ça je peux pas passer par là, mais la piote elle est montée. Ah! 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 Mince, je me disais aussi que c'était facile. Alors. On a un problème. Parce que du coup, il me faut cette clé. La clé qu'il y a dans la boîte avec le cadenas, du coup. Alors, attendez. On refait un petit tour. Un...
Ouais. Là, j'étais passé. J'étais mal passé, d'ailleurs. Merci. Ça, c'est fermé. Oh là là, chat, j'aime pas du tout. Hein. Je vous fais un point sur l'inventaire rapidement ou pas, là? On a 140 balles. On a 8 seringues. 7 boissons revigorantes. Et on s'approche dangereusement de quelque chose que je connais de cet univers. Ça va pas bien se passer. Kazma, le nom de la petite que tu cherchais, il me semble que c'est Laura. Ah, c'est possible, ça me dit quelque chose. Que c'est... Effectivement, j'avais oublié le nom de la petite. Ouais, si, Laura, ça me parle. Si, si, Laura, ça me parle. Les toilettes, j'avais visité. Non, mais c'est sûr, attendez. C'est sûr, c'est les tableaux, j'ai juste mal compté, en fait. Tu vois? Donc là, il y a 4 arbres. Ok. Eh, attends, si ça se trouve... Est-ce que je peux ressortir? D'accord. J'allais dire, si ça se trouve, il veut que je compare avec la vraie life. Et là, tu me dis, ouais, non, en fait, il manque des arbres, parce que le temps, il a passé, que depuis, il y a des arbres qui se sont écroulés. Donc, 4 arbres. Ok. Là, on est d'accord, c'est 2 médecins. Docteur Hoog et Docteur Atkinson. Ok. Infirmière en formation. Ouais, elles sont bien 7, hein. Elles sont bien 7, elles sont bien 7. Ou alors... Attendez. Ça, c'est le motel. Hôpital. Je suis un débile. Je suis un débile, je l'ai fait à l'envers. J'ai fait arbre, médecin, infirmière. Ok, je suis un débile. Donc attends. Oh putain, j'ai paniqué. J'ai vraiment paniqué, je savais pas où aller, chat. Oh, ok. Oh, le trou de balle. Le premier étage. Le sous-sol. Ah bah super. Ah bah super. Salut, comment va? Salut Gleg, ça va et toi? T'es trop équipé pour que ce soit honnête, c'est-à-dire? Ok, direction le sous-sol, chat. This place feels so empty. More than the other places we've been. Cet endroit paraît vide comme le reste de la ville, hein. D'ailleurs, je suis convaincu que la clé que j'avais récupérée de la botte du motel, là, ça servait réellement au bâtiment que j'avais été voir une première fois. Juste que j'ai pas fait attention, mais tant pis. J'espère juste que c'était pas giga important. Carte du sous-sol. Ok, il y a un seul sous-sol ou il y en a plusieurs? Ok, 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 qu'est-ce qui se passe? Putain, meuf, me fais pas peur comme ça. D'ailleurs, ça fait drôle de se balader à deux comme ça. J'aurais presque... presque plus peur en étant solo. Je vous promets, l'hôpital, c'est soit ça va très bien se passer, soit ça va être catastrophique. Là, va falloir expérimenter du flingue. Ok. 143 balles, tout va bien. Ah, quand le jeu t'offre trop de choses, c'est que ça va mal se passer. Ah oui, non, c'est clair. Ah oui, non, c'est clair. Ah oui, non, c'est clair. On sait ce que c'est, hein. Une save, deux soins, un chargeur complet d'armes. Oh, il y a un boss. Il y a un boss, te fous pas de ma gueule. Il y a un boss. Alors, il nous faut du jus. Et il nous faut du jus, c'est tout. Attends, si ça se trouve... Ouais, non. Ok. James. J'ai vu un truc. J'ai vu un truc. Je la sens pas, la Martine. On peut pas lui donner une arme.
Allez, tu te chutes. Chat. Dup. Ok. Ça commence par les nanex. Quoi? Ta mère en fait! Bouh! Y'a va! Vraiment, ça change quasiment rien, hein. Mais je crois que c'est vraiment un coup en moins. Ok. C'est bon, ça se calme. Let's go! Hola! Sérieux? J'ai dit non! Tu te meurs! Parfait. Ouh! Le jerrycan! Ok, chat, bidon vide. Forcément, parce que c'est jamais simple de toute façon. On y va. On reste focus. Ça va bien se passer. Ah, direct, t'allais voir au bout. Super! Eh ben, allez! Faisons ça! Méchant que tu es! Putain! Dingue! Le nombre de balles que tu gâches! Alors que j'en ai pas besoin en plus! Choses qui vont manquer: de l'eau de javel, de la lessive pour linge blanc, de l'amidon, des draps blancs. La quantité d'eau de javel utilisée est démentielle et pourtant les draps ne sont pas plus blancs. Je veux rien savoir, il faut arrêter ça. Tiens. Attends, c'est pour quoi faire ça? Ouais. Attends, Maria, pousse ça deux secondes. Merci. Oh. Attends, j'ai. C'est bon, pas d'embrouille? J'arrive. Je veux juste savoir ce qu'il y avait au bout du couloir. Forcément. Shut up. Non mais. J'ai attaqué Veski le jeu. Ah, mon pas mes mobs préférés. C'est tellement les plus random quand ils t'attaquent en fait. C'était elle là-bas là! Maria! Et boum! Tu te chutes! Et donc ça s'ouvre? Parfait. Est-ce qu'on est venu pour rien? On est venu pour rien. Ok. Et on dirait pas comme ça? Mais l'air de rien, je me bats au flingue depuis tout à l'heure et je suis quasiment en positif niveau munitions. Genre sur tous les gugus tués, il me manque que 3 balles. Une balle. On dirait pas, mais je vous assure ça va. Salut Steph, comment tu vas? Hey. Hello you. Don't worry. I'll be right back. Oh la seringue. Attendez. J'arrive chérie, j'arrive. Je ne t'abandonne pas. D'ailleurs, c'est limite, elle devrait me suivre. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ok. Un autre plan. Bah voilà! On est quand même positif en termes de munitions. Je suis arrivé au sous-sol, j'avais 140 balles. Là, j'en ai 142. Voilà. C'est l'histoire de ma vie. On est bien, non? À remplir les bidons. Salut Benjamin! Bonjour à ceux qui nous rejoignent! Découverte de l'hôpital, chat! Ça fait des sales bruits. Maria, t'es là? Maria? Ok. Elle était pas très bavarde, la dame. Ouais, forcément, ouais. Ça s'énerve dehors. Non, attends, c'est par là la suite.
T'es déjà là, toi? Yes. They're coming. Blé! Vas-y, viens, viens, viens! Voilà, tu te chutes. Ok, chérie. Wouh! On y va. Ouais, ça fait moins caca-culotte avec mariage, je trouve. C'est bête, mais même si elle se bat pas, on est à deux dans ce problème, tu vois. Elle sert à quoi, la meuf? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je cherche toujours. Elle est gentille. Elle est gentille. Elle apporte la couleur. Allez, parafion! Ok, chat, normalement on a l'ascenseur. Normalement. Tu vas voir qu'il va manquer des touches. Et qu'on va pouvoir accéder qu'au premier. En vrai, ce serait pas plus mal parce que si tu me donnes l'entièreté de l'hôpital, je vais pas savoir où aller. Je te vois, hein! Tu fous de ma gueule? Merci. C'était pas ouvert ça avant? Ouais, d'abord. Balle de pompe. Balle de flingue. Merci le jeu. Tu es gentil le jeu. Tu es très gentil. Et toi tu l'es pas du tout, c'est loupard. Ah c'est ça hein, j'avais dit il manque des touches. Est-ce qu'on n'est pas trop fort nous? Est-ce qu'on n'est pas dev? Ok, donc attendez. Je rappelle qu'on est aux US, donc normalement le premier... Ça doit être le rez-de-chaussée. Et donc le deuxième, c'est leur premier en fait. On va voir. C'est ça, c'est ça. Il y a le hall d'entrée, donc là logiquement, je regarde rapidos. Rez-de-chaussée. Ah mais j'ai pas reconnu parce qu'il fait nuit. Pourquoi il fait nuit? Attendez, on va aller save. T'es ouvert? J'ai vraiment une voix d'ogre, hein. À chaque fois que je bloque sur une porte, je fais un bruit bizarre. Un ogre. Un ogre. En fait, le truc de Maria, c'est que... Elle peut pas se faire attaquer, j'ai l'impression. Elle peut pas se faire embrouiller par l'ennemi. Donc, elle n'est pas un problème dans le jeu. Genre, j'ai pas à la couvrir toute ma vie. Elle dit rien de particulier, sauf quand il y a un petit peu de scénar, tu vois. Et ouais, elle m'aide pas forcément pour gérer des situations, donc je sais vraiment pas à quoi elle sert. À part être là pour être là. Ok, on y retourne. Cette fois-ci, on va au premier chat. Enfin, au deuxième, t'as compris. Parce que je rappelle, la porte était lock. Donc là, découverte de l'étage. On va voir. Il y a le bureau du directeur, déjà. Ah. Bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va? Maria? D'accord. Hey. You okay? I'm sorry. That's fine. What's going on? Are you hurt? It's nothing. Probably just a hangover. Depuis quand elle a des médocs? Maybe you should rest. Yeah. Okay.
so comfy. Est-ce qu'elle est arrachée? I'm gonna go look for Laura. I'll be back as soon as I can. James? Ramène-moi un oreiller. I wanted to ask you. What if you can't find Mary? What will you do? Bizarre ce qui se passe en haut. Really thought about that. Get back soon, okay? Le plan B. Le plan B. On peut retourner la voir? Ah oui, on peut. Hein. Ah ça c'est bah, si c'est confort. Sorry, I just need a moment. Elle est étalée dans du vomi. Voilà, et à partir de là, le jeu me régale plus là, on est solo chat, on est solo. Attendez, moi je voulais savoir un truc, pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté aussi longtemps devant cette fenêtre? Est-ce que la petite s'est foutue en l'air? Est-ce que c'est une ref à The Last of Us, genre? Non, MDR, c'est pas ça, mais... Est-ce que Marie, sa femme, s'est pas foutue en l'air en se jetant par la fenêtre il y a 3 ans? Genre, on a trop phasé sur cette fenêtre pour que ce soit rien, tu sais. Bonsoir. Ah oui, il y avait vraiment une meilleure chambre. Il n'y a pas de matelas. Il n'y a pas de matelas, c'est pas une meilleure chambre. Ok. Ah, c'est pas une meilleure chambre. Ok. Ok, pourquoi ça devient moins bien d'un coup, là? D'accord. Ok, j'aime moins tout à coup. J'aime moins, ça fait plus peur. Ok. À moi l'immune. Alors attends, ça c'est Maria. Ah, ça c'est la save. Ok. Juste à côté de là où il y a Maria. Parfait. Bien. Alors, chat, 6 heures de jeu. On devrait taper les 7 heures dans cette session normalement, vu la durée, oui, largement. Du coup, je pense aussi que, à mon avis, après l'hôpital, il y aura une dernière grosse partie. Et à mon avis, ce sera déjà la fin de l'histoire. Hein. Maria, ok. Bon, bah, c'est parti. Et il me faut toujours le pont, chat. C'est vrai qu'on cherche une gamine à la base. C'est vrai qu'on cherche une gamine. Quoi greux? Rien greux. Allez, la nouveauté. Ok, elle bronche pas la dame. Super, ça va être marrant ça. Putain, c'est dur! Attendez 2 secondes. Madame, faut mourir en fait! Non mais... C'est quoi ce sac à PV? Mais tu te fous de ma gueule! Non mais attends, c'est dur. Pour de vrai, c'est dur. Attends, elle a pris quoi? 10 coups? 10 coups et 3 balles? Wouah, j'ai pas hâte de vous croiser par deux, hein. Oh là là, donnez-moi le pompe, s'il vous plaît. Oh là là, le vrai problème. On va vite arrêter de se battre, hein. Non, je vous le dis. Attends, mais je vois un truc, là. Non? Non, je suis ma boule. Purée. Quoi? Oh putain, là. Dans 2 secondes. Vas-y, on y va. On y va, chat, on y va. Petite pièce isolée, on y va. Ah.
C'est bon? C'est bon, personne d'autre? Ok, parfait. Économe sur les bords. Je suis devenu le tireur du coin. Ah les gars, j'ai économisé toute la partie là. J'ai 150 balles. Ça va tirer hein. J'ai 150 balles, je suis encore en positif, c'est ça qu'il faut se dire. Par contre, il y a un mec en apnée, là, c'est pas possible. Il y a du bruit, il y a du sale bruit. Oh là là. Oh là là. Je rigole moins qu'au début. Hein. Allez, tu te chutes. Ah mais c'est ça. Chute. Ah, de bouger. Pourquoi tu fais du bruit, toi? Arrête-toi. Mais, dis donc. N'avais pas honte? Là. Merci. Nouvelle photo. Attends, elles sont où mes photos? Photo étrange. Non, je sais pas. Ça raconte des moments de l'histoire, mais c'est à peu près tout pour l'instant, chat. Hein. Bon, je boite. Allez. N'ayons pas peur. On y va. Bref, n'ayons pas peur. Je vous avoue que là, chat, je suis pas très très à l'aise quand même. Hein. Oh là là, j'ai pas envie de faire 1000 allers-retours à la save. J'ai rien fait, en plus on a vraiment pété 4 mobs. Hein. Par contre, vraiment, des gens me disaient que Silent Hill c'était plus le genre de jeu où t'avais tendance à fuir le combat. Mais il y a pas mal de combats, quand t'es pas en ville, où je me vois mal les fuir en fait et me prendre 2 coups par derrière. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, il faut un code. Voyons voir. Le code est celui qu'on a choisi lors de la réunion d'hier dans la salle des médecins. Comme je disais, interdiction de le noter sur un petit bout de papier. Soyez responsables, les amis. Attendez, la salle des médecins, c'est où? Salle des infirmières. Poste infirmier, salle de soins. Est-ce que c'est la salle des infirmières? Toi, tu m'embêtes, toi, vraiment, le bruit est chiant. Ok. Tout va bien. Je n'ai pas peur, tout va bien. Cachez ou pas, j'arrive, hein. Quoi? On se calme. Ok. Ah! Je le savais! Munition de pompe. Le pont tue. Te fait attendre. Ah bah d'accord. Oh, j'aime bien ce qui se passe. Ah. Ok. Cherche des bracelets, genre. Ah oui, ils en avaient parlé, les 3 cas désespérés. Oh, c'est ça, faut que je trouve un truc en lien avec ça. Pour la main. Les 3 cas désespérés. Ok. Il me manque full truc. Et là, il y a quoi?
Oh. Bah voilà, on prend les mêmes et on recommence. Une vibe hôtel un peu, non? Avec les pièces. Sauf que là, il me manque carrément une touche. Et après, un code à résoudre. D'accord. Bon. Patient numéro 50. Désignation 301. Chambre C1. Premier symptôme. Accès de violence soudain. Hallucination auditive et visuelle. Diagnostic, thérapie actuelle considérée efficace. Non, 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 non. Qu'est-ce que j'ai raté? Recommandation. Poursuivre la thérapie actuelle. L'eau a un effet apaisant, obsolète. Ok, donc ça c'est les 3 cas. C'est ça? Alors, désignation 298. Premier symptôme, hallucination sensorielle, insomnie, refus de s'alimenter et de boire. Alimentation et hydratation sous la contrainte. Bain requis, à faire dans la salle de soins. D'accord. Ça aurait été marrant que ce soit 3 ennemis spéciaux à vaincre ou à gérer. Et après, t'obtiens leur bracelet pour la clé là du bureau. Dosage supérieur des médicaments ne pas laisser sans surveillance. À transférer en L1 pour une meilleure surveillance. Désignation 295. Bon bah super. Il y avait un tiroir, je l'ai ouvert le tiroir? Non, c'est bon? Ok. Eh ben ça me plaît bien, moi, cette partie à l'hôpital là. L'angoisse de fou, mais ça me plaît bien. Ah, attendez, est-ce qu'on peut avoir le raccourci de la porte ici, là? Ça. Voilà. Comme ça, retour à l'ascenseur. Ok, par là. Swear. Mais c'est vachement mieux comme chambre, eh. Pour Maria. C'est vachement plus clean. L'œil. Il y a toujours un œil. Transcription d'entretien avec un patient. Annotation. L'entretien suivant a été réalisé avec... suite à l'incident de numéro 71. Je me souviens d'avoir été allongé dans l'eau, à l'aise et vide. Puis je l'ai senti, m'observer. Je l'ai senti grandir. Je devais partir, je devais m'enfuir. Mais il m'a emboîté le pas, il continue à observer. Il fallait que ça sorte, je suis à nouveau vide, à l'aise et vide. On peut retourner dans la piscine? Donc ça, c'est le patient qui a parlé, c'est ça, hein? Chut. Je veux rien savoir. On n'est pas là pour faire le jeu en économe, nous. Ah, super. Ok. Ah. Ah. Ta-da-da-da. Oh sérieux! Il y en a un derrière moi, je m'en doutais. Et boum, balayette! Ok. J'arrête! Chute, chute. Ok. Ça me fait bizarre qu'il n'explose plus, lui. J'ai toujours le réflexe de m'écarter. Merci. Alors. Ouais, forcément. Une onde de toile. Je viens de là. D'accord. Raccourci. Raccourci. Ça va, t'es un bon point de repère, toi, quand même. Merci, madame. Très bien, totalement annexe. Toujours la peur de devoir fuir un truc, hein. Ça, c'est RE qui m'a mal habitué. Se retrouver enfermé dans un truc avec 1000 couloirs. Poursuivi par on ne sait quoi. Monsieur VLC! Le VLC aide. On y va. Ah putain, elle fait ça bien en plus, hein.
Elle fait ça bien. Est-ce qu'elle prend les coups? J'ai l'impression que le jeu est pas sympa quand c'est trop loin. Ça va, c'est pas de l'abus, hein. Ça va, c'est pas du tout de l'abus. Putain. Merci. Hop, petit raccourci. Oh, mais sérieux ! Tout va bien, chat, on a toujours 140 balles. Hein. Hello. J'en voyais bien m'attaquer au corps à corps dans cette pièce. En plus de l'infirmière, non ? Merci. Positif, chat. Restons positifs. On y va. Personne d'autre ? Très bien. Oh là 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 là. Oh là 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 là. D'accord, qui était attaché ici? Pourquoi? Je suis tellement pas à l'aise avec l'hôpital. Ah, oh, c'est chaud. Ça me rappelle un peu ma découverte d'Outlast. Un jeu incroyable, hein. Toujours l'un des meilleurs dans le genre, mais... Okay. Et moi, Sean, tu joues en quel niveau de difficulté? Normal. Normal, j'ai tout mis sur normal. En général, c'est ce qu'on fait hein, pour une découverte. Le pompe. Le pompe. Le pompe. Mais ce qui m'embête, c'est que ça... Ça grésille. Mais c'est vrai que d'un côté je me plains de jamais rien trouver, de l'autre, à contrario, j'ai v'là les munitions, donc je suis clairement pas en difficulté. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Aiguille tordue. Pour crocheter un truc peut-être? On va prendre ça. Ok, munitions de pistolet. Le pompe, chat. Le pompe. Ah ouais. Et ça, ça fait plaisir. Alors attendez, flingue. Le pompe avec 8 balles. Pour ceux qui voulaient savoir. Ok. Pour l'instant, j'ai pas besoin du pompe en soin. Je vais l'économe un petit peu. C'est sûr, on connaît hein. Ça va pomper dur. Non, par contre, tu vois, je serais quand même curieux de savoir ce que vaut la difficulté max en soi, parce que t'as des jeux où c'est jamais trop bien dosé, tu sais. Tu joues en normal et le jeu paraît presque trop facile, et quand tu joues en difficile, ça paraît presque trop dur. Après, là, tu pouvais jouer un petit peu sur le niveau de difficulté de l'énigme, du nombre de munitions, des dégâts, des combats, de la santé aussi peut-être. Oh là là. Donc non, c'est bidouillable. Par contre, c'est moi ou elle est vraiment apparue, genre. Oh là. T'as allé où? Tranquille, chat. Je vous dirai quand on sera en dessous des 100 balles. Hein. Franchement, j'ai pas envie que ma vie elle soit compliquée. Hein. Ils vont tous mourir. Hein. J'ai
J'ai pas envie de repasser dans un couloir et d'avoir affaire à eux. Sauf si... Sauf si vraiment ça devient compliqué. Ok, la clé de la L1. Je vois même pas si vous l'avez là. Voilà. C'est où la L1? Attendez, L1, L2, L3... L2, L3... Elle est où la L1? Ah la L1! Attendez, je suis aveugle. Pardon, elle est là. Noise. Noise, noise, noise. Parfait, c'est à côté. On y retourne. Ok, est-ce que j'ai accès à cette pièce du coup? Ouais, non. Là, un autre étage. Oh, le lapin! Il faut suivre le lapin. Moi, c'est ce que j'ai noté. Depuis le début, c'est ça. Attendez, on va d'abord finir cet étage. Donc c'est là, normalement. Moi, de mon côté, je suis en train de découvrir Horizon Zero Dawn. J'aime beaucoup. Ah ouais? Je me demande encore si je vais prendre... Parce que c'est sûr que si demain, je dois vous faire le jeu, on fera la remastered. Mais je me tâte encore à le prendre Day One, parce que pour l'instant, vraiment flemme. Et à vous proposer enfin l'aventure que j'aimerais vous faire dessus dès que la remastered sortira. Mais non, non, je vous dis la vérité, je pense qu'on va attendre un petit peu. Ok. Il y a un truc qui est apparu. Je sais pas où il est. Ok. C'est chiant à déplacer, hein. Non? C'est pas là? Voilà. Ok. Donc il n'y a pas eu la validation, hein. Ok, il y a un truc dans la pièce qui s'est barré. C'est sûr. Madame l'infirmière? Vous avez mes compléments alimentaires? Ils ont amené la fille aujourd'hui, la pauvre. Elle n'a pas dit un mot. Elle reste assise, la tête dans les mains, à pleurer en tremblant. Je l'ai placée dans le lit du coin. Ça semble avoir calmé un petit peu. Je crois qu'elle a même souri. La fille? Oh, elle s'est fait une cabane. Attends. Ah, là. Ok. Merci. On se refait, chat, on se refait. Je t'ai vu, hein. Je t'ai vu. Je t'ai vu disparaître dans le mur. Et là, tu te dis tout naturellement, mais allons-y, bien sûr. Tout est très mystique, hein. On va se faire arracher du mur par Monsieur VLC, tu vas voir. Vas-y, pousse. Pousse, 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 pousse.
Ah oui, en plus. Toujours dans la discrétion, où qu'on aille. Let's go. Alors, du coup, on est au sous-sol. Ah non, au rez-de-chaussée, attends. Au rez-de-chaussée. On est au rez-de-chaussée, tout va bien. Eh ben voilà, c'est pas mal. D'accord. J'ai envie de prendre une popo depuis tout à l'heure. La bibliothécas. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ils m'aident pas? Pourquoi ils me regardent là-dedans, avec lui? Resident Evil. Ça trouve, c'est vraiment des rêves. Hein. Moi je trouve ça très cool quand les différents jeux de survie, slash apo, horreur, tout ça, se font des refs les uns les autres. The Walking Dead, The Last of Us. Tiens. On a un premier bracelet. Oui. Oui. Ah, de... Attends, mais ça a juste... Ah ! Putain. Ah, purée, c'est terrible de le savoir, de s'en douter à 2000% et de se dire... mais en fait, il y avait plein d'îles, là, ça a disparu. Ah, putain, salopard. Je... Oh, m'énerve. Greux. Ça aurait pas dû m'avoir, ça. Le savoir et se faire avoir. Ah, c'est terrible. La save. Ok, restons cool. Salut Teddy, comment tu vas? Bonjour. Le retour de James le carjacker. Non, ça va, on n'est pas de sortie en ville là. Quand on sort en ville. Putain, ça boite, hein. Ça boite fort même. Pourquoi cette porte est ouverte maintenant? Attendez. Elle, ça me dit qu'elle est ouverte, mais j'ai la clé? Ah, j'ai de quoi crocheter! Non, c'est pas ça. Pourquoi ça me dit qu'il y a un truc à faire ici? Attends. Est-ce que... Examinez. Y'a pas moyen de le... De le redresser, genre? Combiné. Trouvé dans un ours en peluche. Mais le jeu comprend ce que je veux faire parce qu'il me dit que ça peut se combiner. Hein. Je suis en train de réfléchir parce que là, du coup, ce qu'on va faire. Ah, mais elle est là, la salle des médecins. Je la cherchais tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais aller remettre le bracelet. Et après, c'est une très bonne question. Là, je ne sais pas. On va passer par là. Ça nerf par là-bas, ouais. Deux petites secondes. Allons-y. Il y a des chiffres. Bon, on verra plus tard. Attendez. Parce que là... Parce que là, je suis embêté, je sais pas où aller. Il y avait une porte à gauche là? Putain, tant que j'aurais pas remis en place ce truc, je saurais pas où aller.
Est-ce que tu as résolu l'énigme infirmière médecin arbre? Ouais. Et d'ailleurs, je me suis repris à deux fois parce qu'en fait, j'ai juste lu le truc à l'envers. Coucou, je viens de m'abonner. Bah, bienvenue, Georges. Merci à toi. Vachement énervé d'un coup, là. Attendez. Parce que aller là-bas, oui, mais en fait, pourquoi faire? J'ai oublié un truc quelque part, c'est pas possible. Ça, je l'ai vu. Ça, c'est dans la salle des médecins, donc c'est au rez-de-chaussée. Ça, je l'ai géré aussi. Il me manque quelque chose, chat. Ah, je sais. Ben oui. Exactement le même truc qu'à l'hôtel. Exactement le même. Je me base sur un seul escalier. Alors qu'il y a un autre escalier pour accéder au rez-de-chaussée. Là. Et donc de là, ça repart. Ah. Bon. Alors, peut-être pas du coup. Mais... je peux aller au deuxième. Premier et deuxième. Le lapin. Voilà. Ok, on avance. Nouvelle save. Alors par contre, nouvelle save avant d'ouvrir une grosse porte blindée, comment vous dire? Comment vous dire que là on est à l'étage que personne n'aime, d'accord? Oh là là. Oui. Hey, are you okay? Go away! Don't be afraid, I just want to talk. Comment elle s'est retrouvée de l'autre côté encore? Des questions logiques. Pour des réponses qui n'auront pas de sens de toute, manière. Merci. Vas-y, viens. Ah putain, deux coups! Merci. T'es Keblo? Ah, t'es moins impressionnant de ma coup. Oui, c'est chef. Ok. Youhou. Il y en a une deuxième. Forcément, sinon c'est pas drôle. Ah putain. J'espérais la tuer avant, genre. Non mais sérieux! Arrête! Oh, c'est pas drôle la bagarre avec vous, eh! Tellement random! Oh, dis donc! Ça va, eh! Dis donc! Putain! Faut leur mettre combien de balles? Ah, puis tout ça pour ça en plus? Ah oui, non, ça ne servait vraiment à rien, en fait, là. Ah ouais. Bon, bah... ok.
Ah, c'est vraiment pour le confort, je l'ai tué là. Si ça se trouve, le fait de tuer tous les ennemis joue aussi sur la fin du jeu, hein, maintenant que j'y pense. Genre, imaginons que, en fait, on ne soit pas mort. Et qu'on soit dans une espèce de gros trip. Et qu'en fait, on soit en train de buter des civils. Qui se sont armés. Parce qu'on leur a dit qu'en ville, il y avait un carjacker qui avait trouvé un flingue. Et qui se mettait à éliminer des gens dans la rue. Tu vois le délire ou pas? Les gens se sont réfugiés à l'hôpital. Ils ont trouvé de quoi se défendre un peu. Donc les battes là en métal, les infirmières. Et on vient, on trouve un pompe et on fait toujours plus de massacres en fait. Imagine, le but du jeu, c'est de terminer l'aventure en tuant vraiment personne, ou quasi personne. Jour 1, transfert pour observation, malnutrition, respiration saccadée, éviter le contact visuel, agitation en présence du personnel, affolement au toucher. Jour 2, refuse la nourriture solide, sonde nasogastrique, requise pour l'alimentation, administration d'antagoniste, administration d'esprit shonen, de la sérotonine pour réduire nausées et vomissements. Jour 3, bain et alimentation sous contrainte, préparer la salle de soins à cet effet, malnutrition aggravée, manque d'oxygène, blessure auto-infligée, suspecté, pas de confirmation. Jour 4. Quelque chose ne tourne pas rond. Tourner dans la vie, la vie. Ah ouais, les deux infirmières m'ont mis mal, hein. Une key. La 1F. Clé pour intérieur rez-de-chaussée. D'accord. Peut-être la porte où j'étais tout à l'heure, avec l'aiguille, là. Ah, attends. Mon inventaire joue aussi sur la fin. Oui, par rapport à ce que j'ai trouvé et tout. Non, mais ça je m'en doute, hein. Les photos, les trucs trouvés, tout ça. Mais ça aurait été marrant que ça joue aussi sur le nombre d'ennemis tués, genre. En mode, tu veux obtenir vraiment la vraie happy fin? Ok. Bah dans ce cas-là, tue le moins possible. Et dans des moments comme ça, là, de couloir, en fait, ça rend les moments terriblement compliqués. Parce qu'il faut tout esquiver toute sa vie. Et du coup, t'as constamment... le bruit du truc qui grésille dans les oreilles. Donc le bruit de la panique. Docteur Andrew, nous vous avons fourni les radiographies que vous souhaitiez. Cependant, il semble que le dossier soit incomplet, car l'une des radios est introuvable. Nous enverrons quelqu'un au plus vite quand nous l'aurons retrouvé. Prévenez-moi s'il vous faut autre chose. Peut-être que ça joue aussi. Peut-être. Peut-être, peut-être. Ah, attendez, il a un truc dans la tête ? Ça se déplace. Oh, il y a des traits marqués, je viens de capter. Attends. Attends. Comment vous montrer? Regardez. Là. Là, on dirait que ça peut aller dessus. Inventaire, déplacer, faire pivoter. Ah, ça peut pivoter. Oh, attends. Ça va là, en fait. Voilà. D'accord, ça peut pivoter. Alors, on va essayer comme ça. Non. Ok. Donc, on a un début de quelque chose, mais ils ont dit il manque une radio. Il manque une radio. On reviendra. Ok. C'est ça la radio? Attendez. J'ai failli me perdre dans l'hôpital encore pour de la merde, hein. Inventaire. Radio. Quatre. Ah, il m'en manque encore. Ah, ça doit être le code pour le cadenas juste derrière. Ok. Ok, ok. Donc pour ce cadenas-là, la direction, le rez-de-chaussée. Ça va, oui. Chute.
but, si je peux gratter une balle, c'est d'en gratter une. Mais attends, je suis déjà au deuxième, je vais où là? Sur le toit? Ah, ça va sur le toit après. Hein. Ça se trouve, c'est ici que ça se termine. Ok. Alors... ça va, ça me fait triper, mais une fois que j'ai visité un étage, je me sens un peu mieux déjà. Top, top, top. Max Verstappen. Vous en pensez quoi, chat? Ça vous plaît le jeu? Est-ce que certains d'entre vous y auraient joué si jamais? Ou est-ce que peut-être c'est encore trop dur? Là, il y a Martine. On avait ski. Je t'entends. Un petit esprit claqueur un peu. En vrai, j'adore, mais jouer, je sais pas. C'est souvent ça la frontière hein, entre les deux mondes. Être capable d'y jouer. Ah, c'était pas ouvert avant ici. Oh mais non, mais Martine! Je vous annonce. Oh oh. Non, j'ai perdu le bouton. Le pompe! Putain, je sais plus prendre le pompe. Comment on fait? Chalas! Boum boum balayette. Putain, je me suis niqué. On est bien en termes de vie en vrai. Hein. Super. Oh là là, oh la bataille dans l'escalier. Oh la bataille dans l'escalier. Une troisième. Foutez pas de moi, je sais qu'elle est là, je l'ai vu. L'infirmière du couloir. Meuf, par contre, je sais pas ce que t'as en termes de vie. Hein. C'est bon. Tu la fermes. Merci. Ah putain. Ah, ils l'ont fait, hein. J'avais dit, hein. 2 plus 1. 2 plus 1, ils m'ont envoyé. Perso, je sais que non, je n'y aurais pas joué. En même temps, moi je me rends compte, mais je suis beaucoup trop fan de ce genre de délire. Hein. C'est vraiment dans mes jeux préférés, tous ces trucs-là. Hein. Même si après, je favorise toujours Resident Evil, quand même. Pour le coup, souvent égalé, jamais détrôné. On va se faire une petite save. Et après on va regarder, je pense que j'ai la clé qu'il faut pour commencer à explorer le rez-de-chaussée. Bon, on avance. Je suis content parce que vraiment, quand tu lances ce genre de jeu, tu t'attends à Keblo très facilement sur des énigmes, sur des allers-retours, sur des trucs comme ça. Faut rester concentré. Alors. On y va, chat. Normalement, ma clé ouvre cette porte. Let's go. C'est parti. Ouais, c'est ça qui me faisait bizarre. J'ai oublié comment jouer au jeu pendant 2 secondes. Ouais, c'est ça qui me faisait bizarre parce qu'en fait, dans mes oreilles, le son venait des deux côtés. Je sais pas si c'est perceptible pour vous en fait. Mais genre vraiment, casque dans les oreilles, le son venait de partout. Chute, chute. Putain, ça pète un plomb, hein. En vrai, Dead Space ou Callisto Protocol, tu les places où? C'est-à-dire dans mon top? Ah, top 1
dans le genre gameplay vraiment Resident Evil. Après, en termes juste de gameplay, d'ambiance, manette en main et tout, ouais, Resident Evil. Ensuite, franchement, Dead Space. J'ai pas fait le remake d'ailleurs, faudra peut-être qu'on se le fasse à un moment. Ce serait vraiment sympa. Parce que même si on le connaît, le jeu, dans sa version originale, apparemment, le remake est vraiment, vraiment intéressant. Et le gameplay est tellement au-dessus. C'est juste que Dead Space, c'est uniquement du gameplay de fight. Là où, avec RE, justement, t'as ce mélange entre fight, munitions limitées et un petit peu d'énigmes, même si jamais quelque chose de trop compliqué, tu sais. Et ça, c'est intéressant. Puis t'as la rejouabilité qui est très très bonne aussi dans Resident Evil. Donc ouais, je dirais RE, Dead Space. Là, ça se bat un peu à cheval. Mais il y a moyen que je mette Alan Wake 2. J'aime beaucoup The Callisto Protocol. Pour moi, ça a été vraiment une super aventure. Encore une fois, je l'ai payé 20 balles sur PS5. Par rapport à une aventure qui a été superbement bien patchée depuis sa sortie initiale. Je l'ai fait avec la vraie fin, le DLC, qui du coup te propose de savoir vraiment comment ça se termine. Genre moi, Callisto Protocol, 20 balles, c'était un jeu d'enfer. Hein. Et peut-être que Silent Hill vient pas dans mon top 5, mais là, ce que j'en vois, ça m'intrigue un peu quand même. Ça me donnerait presque envie de découvrir le reste. Je sais pas. Franchement, je vous garantis rien, mais une fois que j'aurai terminé ce jeu, peut-être que je me renseignerai rapidement sur les différents jeux qui existent. Voir un peu comment ça fonctionne, etc. Tu vois. En vrai, niveau énigme, je trouve que Silent Hill 2, c'est le mieux. Bah, pour l'instant, on a eu une énigme avec des pièces. Voilà. On a 2-3 chiffres à replacer pour des cadenas. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de fou dingue. Ah, attention, moi je compare par rapport à la version remake. Hein. Si vous me parlez de la version originale sur PS2, si ça se trouve, c'était mieux. Là, pour le coup, niveau jeu actuel, je trouve vraiment que Resident Evil 2 s'en sort beaucoup mieux hein, dans le Comico. Mais moi, je préfère. Moi, je préfère, encore une fois, question de point de vue. Mais là l'hôpital me parle beaucoup. Soka rappelle de façon inquiétante un incident qui a eu lieu dans l'établissement il y a quelques années. Le patient avait été admis sur ordre du tribunal. Mais avec le consentement de ses proches, son état semblait s'améliorer les premières semaines. Les médicaments, associés à des séances individuelles avec un psychologue et à de l'art-thérapie, avaient réduit son aboulie. Son aboulie ? Je sais pas ce que c'est de l'aboulie. Son anhédonie et son repli social. Il n'y avait aucun motif de s'inquiéter jusqu'à ce que le gardien de nuit remarque la disparition d'une de ses clés. Quand on l'a retrouvée, il était déjà trop tard. Ah bah il s'était foutu en l'air. Ou alors il avait tué des gens. Niveau balle, pour l'instant on est pas mal. Message sur la combinaison d'un clavier à code. Ça c'est pour le premier étage. Ça c'est pour le premier étage. On est dans la salle des médecins, j'étais pas sûr. Ok. Dans un sens ou dans l'autre. Très bien. The Evil Within. Oh pardon, j'avais totalement oublié The Evil Within. Oh bah The Evil Within top 2. The Evil Within top 2 chat. Ah non vraiment, j'ai tellement aimé The Evil Within. Mon seul regret pour cette licence, c'est que les jeux soient datés. Surtout le premier. Oh là 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 là. Mais s'il vous plaît, parmi les trucs que je voudrais le plus, le retour de The Evil Within dans une version buffée à l'Unreal Engine. 60 FPS, avec possibilité sur console de pouvoir retirer les bandes noires. Parce qu'à la base, les bandes noires, je crois que tu peux les retirer que sur PC, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Et vraiment une version clean, quoi, parce que le jeu est tellement bien. Juste, ouais, il fait dater. Hop. Ok, on va finir d'explorer ce petit bout de couloir là, puis après on remonte au premier. Même The Evil Within 2 Evil Within 2, je l'avais vraiment bien kiffé moi, mais je crois que j'avais préféré le 1. Ça commence à dater. Hein. Putain, fait chier. Hein. Moi j'aime pas, mais c'est vrai que... Oh.
En soi, je comprends ce que les développeurs ont voulu faire avec l'idée que l'ennemi puisse répliquer même quand tu lui en mets une. Mais c'est vrai que normalement, quand tu le frappes, il devrait pas être stunt, mais bon, il devrait s'arrêter une demi-seconde quoi. Et se prendre son coup, point. Par contre, le fait qu'elles enchaînent trois coups, c'est énervé, hein. C'est juste très galère à gérer. Donc là, on va vers la pharmacie, et après, on se retrouve dans le couloir de base. Ok. Et peut-être que je pourrais ouvrir la cage d'escalier, du coup. Ouais, non, The Evil Within, ça commence à dater, et autant... Je connais un peu plus le 1 que le 2, tu vois. En plus, le 2, c'est un jeu semi-ouvert. Donc forcément, dans sa manière de faire, il est très différent. Maintenant, il souffre de beaucoup de jeux de cette génération-là, avec vraiment un boss de fin dans le 1 qui est éclaté. Je me rappelle même pas de s'ils avaient corrigé ça dans le 2. Et du coup, ouais, je disais, mon erreur, c'est de pas l'avoir reg pour YouTube. Mais on y avait joué... Sur PS4, je crois, le jeu avait du mal à afficher les 30 FPS. Si jamais on doit se le refaire, c'est soit dans un potentiel remastered remake, ou soit sur PC, le jour où je le fais tourner correctement. Encore un incident avec le numéro 50. Il est sorti de la piscine et s'est enfui dans le jardin. Ah, c'est lui qui aimait être trempé. Où il s'est fait une mauvaise coupure. Heureusement que j'étais là. Il était surexcité et hurlait. Le personnel a dû le maintenir. J'ai eu du mal à le recoudre. Il est de retour dans sa chambre pour l'instant sous sédatif. What the fuck? C'est une oreille. Il me faut une tige ou un truc. C'est pas con le verre autour parce que ça se voit pas des masses. Hein. Attendez, on va aller dehors. Mais d'abord... Ok. Je finis mon tour de périmètre. Ouais, c'est un mec qui se lave les cheveux ou quoi? Hello. C'est officiel chat. Je suis à 99 balles. Ça y est, on est sous la barre des 100. Donc à partir de là, on va se concentrer un peu plus sur la fight. Putain, les meilleures parties du jeu, c'est l'hôtel. L'hôtel, deuxième partie, et l'hôpital, quoi. En fait, en ville, il y a un délire, tu sais. J'étais content d'y revenir la deuxième fois, mais... En vrai, au bout de 20 minutes... Au bout de 20 minutes, j'avais déjà ma dose, alors qu'on y restait une heure et demie, hein. Cafard ! Ça grouille. Qu'est-ce que c'est ? Hello. Est-ce que la tête ça fait plus de dégâts ou on s'en fout? Peut-être ça fait plus de dégâts. Hein. Y a des moments où quand je mets 6 balles, il manque encore un coup. Et là, j'ai mis 4 balles, dont une dans la tête. Et un coup et ça a suffi. Alors que tout à l'heure, avec 5 balles, il m'a fallu genre 3 coups derrière. On dit anti-moisissure. Ok. C'est dans les murs en profondeur, l'anti-moisissure s'en débarrasse un temps. Mais cette chose réapparaît au même endroit. On doit entrer là-dedans, tout détruire s'il le faut, et tout éradiquer. C'est où les cafards? Pourquoi les cafards ils sont partis? Perturbe ça. Chat, rappelez-moi qu'il faut que j'aille dehors, hein, parce que là je fais tellement un tour de la zone que je vais oublier. Allez, là. Prends, hein, hésite pas. Et le pire, c'est qu'après, on aura fait un gros tour, hein. Ok. Ah, ok. Il y avait un saumon. Il y a un saumon.
bah super. Oh le revers, oh le revers. Non mais c'est dur, c'est dur. Ok, l'autosol il est au sol, parfait. Ah mais ouais. C'est dur hein. Boum boum. Parfait. Youh. Donc on peut pas... ok, on peut pas drop des trucs quand il y a des ennemis, très bien. Je ne le savais pas, c'est la découverte. Et donc là, on est de retour à l'accueil. Donc officiellement, on aura fait un bon tour déjà. Même s'il me reste... j'ai pas été voir le débarras, les toilettes... Et la pièce à côté de l'escalier. On va aller les voir aussi au passage. Tchat, on va dehors. Yasma, si tu arrives à frapper une infirmière dans le dos, normalement elle tombe direct. Ah ouais? Ah ouais? C'est vrai? Oh putain, faut que j'essaye. Alors par contre, là les balles elles sont fuckées. Les balles sont fuckées. C'est bon. Oh, 5 balles en plus. Ah ouais, non, je l'aurais regretté. Dans le dos, elle tombe direct. Ok. Par contre, je remarque un truc, mais il y a toujours un emplacement sur la flèche de droite. Hein. Et je pense pas que le jeu est du genre à me donner un lance-grenade. Si vous voyez ce que je veux dire. C'était où déjà pour sortir? Je me rappelle plus. Attends, c'était dans une grande pièce. Là. C'est là. Tiens, tiens, tiens. Non, ça j'avais vu. Ok, on y va. Ils sont au moins deux. Ils sont au moins deux et peut-être trois. Il y en avait un par là. Il y en a un autre. Ok, ça fait mal. Tout va bien. Voilà, t'es la saloperie que tu penses être. Et boum. C'est dommage qu'il n'explose plus, eh. Ça m'aurait vraiment mis en PLS en fait. Alors. Tiens, tiens, tiens. Alors ça. Alors ça. C'est pas très Charlie. Vraiment. En fait, je m'attendais pas à ce que dans 2 mètres carrés, le jeu m'embrouille. Vraiment pas. Ça va. C'est pas le PLS. Ça va. On est actuellement de retour au-dessus des 100 balles. Et ouais, le coup des infirmières, effectivement, si je peux leur mettre un coup derrière la nuque et ensuite les marafes tant qu'elles sont au sol... Belle esquive, honnêtement. Aïe. Bien. Tu te chutes. Ok. Est-ce qu'on a récupéré... Yes. Est-ce qu'on a récupéré un truc important depuis qu'on est dehors? Je crois pas, hein. C'est fou l'annexe. Même pas un outil, un truc... Parfait. Oula. Oh, la piscine. Ouais, je m'attendais à récupérer un truc, tu sais, pour choper l'oreille, là. Tu
Super. Toujours un plaisir. Y'a quoi là-dedans? Si ça se trouve, en fait, il faut que j'utilise l'anti-moisissure. Hein. Dans le trou pour l'oreille. Chut. Je me régale. Depuis qu'on est dans l'hôpital, chat, je me régale. Alors toi. Toi, t'es toujours un génie. Les pires et les mobs les plus intelligents. Hein. Vraiment. Ça ne vibre pas quand vous êtes là. Terrible. Bon alors, je n'ai rien gagné depuis qu'on est dehors là en fait. Et là, bah me revoilà juste dans... le jeu. On est vraiment tués deux ici. Ok. Pharmacie. Évacuation. Ah attendez. On va aller voir le trou. Et après, de toute façon, au pire, j'ai le code pour le premier. Et en plus, vu qu'il y a une infirmière, on va peut-être pouvoir essayer de la marave dans le dos. Ah, j'ai récupéré ça, en fait, le tuyau médical. Oh, je sais. Attends. On va faire une canne à pêche. Une canne à pêche. Une canne à pêche, bien joué. Les plus intelligents et pourtant ils n'ont pas de tête. Ouais, truc de ouf hein. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une clé avec une oreille. Des génies. Alors, clé de la maintenance. C'est où la maintenance? La maintenance, ce serait pas la pompe de la piscine là? Clavier à code, salle de soins. La manette qui tremble quand il y a de l'orage, terrible. Salle de radiologie, clavier à code, ça on se rappelle, c'est par rapport aux radios. La salle en I7 là. La grosse salle en I7, elle pue. Oh mon dieu. Je m'en doutais, la salle de maintenance, c'est au sous-sol. Eh ben, top. Par quoi on commence? On va commencer par la salle au premier. Et j'ai un escalier derrière moi plus rapide. Attendez, normalement c'était là. Alors, où est Martine? D'accord. Je crois qu'elles sont deux. Elles sont deux. Moi je voudrais bien lui mettre un coup dans le dos. Ouais bon bah tant pis. Chut. C'est marrant, je viens de capter quand elle claque, leur bâton disparaît des fois. Attends, elle était ouverte avant cette pièce? Ah, je l'avais pas fouillé cette pièce. Ah oh, bah voilà, remboursement. Parfait. Donc attendez, ça formait un L je crois.
C'est ça. On va essayer. Ta-da-da-da. Bonjour. Gaffa. Ça grouille. You. Attends, on se calme sur le pont. Ok. Bonsoir. Attends, on se giga stylé. En fait, ça se déplace par rapport à ma lumière, c'est génial. Ça fait quoi si j'éteins? Oh, ça arrête de grouiller. Oh, c'est rigolo. Oh, le sous-sail du détail. Oh, ça j'aime bien par contre. Oh, la radio. Quoi? Tu te calmes. Tu te calmes le jeu, tu te calmes. Ok. Donc là, logiquement, vu qu'on est là, on va en profiter, hein. Elle a toujours sa matraque. On va en profiter. On va directement aller gérer l'histoire de la radio. Et après, je sais pas comment on va gérer le sous-sol en fait, parce que j'ai la clé de la maintenance, mais ça me dit que la route était barrée. Hein. C'était tellement le couloir de l'embrouille ici avant. Oh, je suis chez moi. Alors, inventaire. Radiographie moisie. Ah, bah attends. Combiné. Oh, je m'attendais tellement pas à utiliser ça. Ok, d'accord. Ah oui, non, pour moi, le produit, c'était tout sauf ça, quoi. Voyons voir. Donc, deux petits traits qui vont... là. U 4 37 12. Attends, mais ça allait au-dessus de 30 le cadenas là? C'est pour ça? Ah si! Attends, donc 4 37 Ta-da-da-da! Ok. Gaffard. Ça aura pris son temps, hein. Mais le jeu devient vraiment sympa. Tu t'attends à trouver quoi? Qu'est-ce que c'est? Les doigts? Ok, on a le deuxième bracelet. C'est quoi? Bracelet sale. D'accord, mais du coup, est-ce qu'il faut que je le lave? Let's go. Attention le retour, chat. Attention le retour. Donc, il me reste la clé de maintenance. Et de souvenir, je crois que je suis aussi à la recherche d'une touche. C'est moi. Je t'ai manqué la main. Ok. Ouais, on essaiera de comprendre ça plus tard. Alors, attendez. On va se faire une petite save. Comme ça, on repart sur de bonnes bases. Et ensuite, chat. Alors, retour à la piscine. Tu vas voir qu'il y a un truc qui va sortir de l'eau d'un coup. Oula. Oui. Ah oui. Ok.
Appuyez sur R2 pour casser un mur. Ce mur? Ah oui, c'était pas évident là. Ah ouais, non, clairement pas. Tiens, 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 le troisième bracelet. Ah, damada! Oui, quoi? D'accord. Oui, bah écoute. Bats-toi tout seul, hein. Ça peut te faire plaisir. Il y aura eu un survivant. Je suis pas au bon étage. J'étais en train de me dire, le bureau du directeur, il est pas là, je suis pas au bon étage. Par contre, le fait que eux soient morts ici, ça rend la phase un peu débile. Parce que leur cadavre flotte. Attendez, est-ce qu'il y a toujours Maria, au fait? Maria? Ah. Maria se repomponne, j'imagine. Maria n'est plus là. Ok. On a les trois bracelets. Qu'est-ce qui passe? Parce que là, du coup, faut comprendre quelque chose. Ah. Oh, attendez. La rainure, elle est plus ou moins logique. Attends. Oui. Alors, peut-être que si j'inverse les deux. Y'a pas des coups de trait. Histoire de m'aider un peu plus. Ça, c'est pas mal. Attendez. Je refais un tour avec celui-là, mais celui-là, il me paraît bien. Quoique, là, il me paraît encore mieux. Non, là, il est vraiment bien. Ok. Inversons les deux, là. Et toi, reviens là. Là, il y a des coupures. Ça me paraît pas trop mal. C'est ça, là, il y a du sang, des traits et du caca. Non, c'est celui-là qui est pas bon, en fait. Pardon, je suis un débile. Je suis un débile. 9, 2, 4, 5, 7, 1. Ok. La clé de la réserve du directeur. Donc, la pièce juste à côté. On save juste après, chat. Un lance-roquette, mais non! Qu'est-ce que c'est? Bouton de coffre. Ah bah voilà. Oula. Ok, faut reformer un truc. C'est une chimère? Je dirais une chimère. Alors, ça, ça doit être bon. Ça, c'est pas bon. Clac, clac, clac. Ça, ça va là. Lui, je me sens très bête parce qu'il va là. Voilà. Tac, tac. Et boum. Et donc, le code, messieurs, dames. Attendez. Parce que là, là, il faut que je le prenne en photo. Sinon, je vais pas m'en sortir. Donc, on a des symboles qui valent des chiffres. Et ces chiffres qui ont été donnés par les trois bracelets. C'est noté. Alors. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il les a pas notés? Il les a notés dans l'ordre en plus. Ça va? Ouais, bon garçon. Hein. Alors, viens voir. On save après? Ouais, vas-y, on save après. Donc, voyons voir. Chat, c'est parti. Alors, déjà, on remet la touche. Ensuite. Donc, ensuite, on avait dit. Donc, attends, attends. Il faut juste que je le redessine à côté vite fait. Pas bien compliqué. Je reprends ma photo parce que je la trouve plus simple. Donc on a dit 9-2. Donc rond, pentacle. 2, c'est ce truc là. Ensuite, 4, c'est le symbole de l'homme. 5, c'est juste un rond avec un point.
Le 7. Je sais pas ce que c'est, on dirait un collier. Et le 1, c'est le logo Volkswagen. Très bien. On y va. Donc on a dit... pentacle. Ensuite, la forme bizarre. Le logo des hommes. Et en plus, ils sont pas rangés dans l'ordre, je suis en train de capter. Ils sont pas rangés dans l'ordre du tout. Donc ça, c'est le collier, qui ressemble beaucoup à l'autre d'ailleurs. Et logo Volkswagen. Le rooftop. Clé du toit. Oh, ça va vachement vite cette histoire. On est déjà au toit là ? Leurs images sont devenues floues, se confondant. Je n'en sais plus rien. Je ne sais pas si je peux faire ça. Mais tu le peux sans doute. Cela t'amènera là où tu dois être, mais sûrement pas comme tu le voudrais. Et ça entraînera sûrement des souffrances. C'est toujours le cas. Ouh là là. Kazma, tu t'étais trompé de chambre pour Maria. Ah oui. Ah oui. Ah bah elle était pas... Ah oui merde, j'ai été voir la C4. Ah oui, bon bah tant pis. C'est pas grave. Kazma, c'est quoi l'histoire du jeu? Non, c'est trop compliqué. Pour faire simple, c'est Monsieur James qui vient pour retrouver sa femme morte depuis 3 ans. Il a reçu une lettre qui serait apparemment de sa main et qui prouve qu'elle est là. Sauf que je trouve que monsieur se base sur rien. Parce que si jamais c'est ça, hein, moi je reçois tous les jours des mails de gens fortunés qui veulent me donner de l'argent. Et je suis convaincu que j'irai pas à Silent Hill pour autant. Alors attendez. On va au deuxième étage. Du coup, ouais, non, attends. Quitte à être là, je veux rapidement voir si Maria ça va, s'il lui faut quelque chose. Un thé, des petits gâteaux. Ah! On aurait pu louper une cinématique. Elle est partie. Par contre, la cinématique, elle est en 2 FPS. Oh, oula, oula, oula. La cinématique, elle était en 2 FPS. Ok. Donc on sait qu'elle est plus là, déjà. Est-ce que ça m'avance sur autre chose? Escalier du fond, et après je continue de monter, je côtoie. Ok. Après, tous les gens qui vivaient à Silent Hill ont connu des drames. Oui, bon. T'en as déjà loupé une. Il y en avait une autre là où elle était. Mais oui, moi aussi, elle était en 2 FPS celle-ci. Ah d'accord. Bon bah c'est un bug. Ok. Mais comment ça j'ai déjà loupé une cinématique? Parce que j'avais déjà eu la cinématique où elle s'installait dans le lit. Hein. Il y en avait une autre entre les deux? Ou elle se recomponait peut-être? Tant pis. Non, moi mon seul regret, je vous dis, c'est... le bâtiment au centre-ville. Attendez. Mon seul regret, c'est... Les cartes de la ville. Mon seul regret, c'est la société historique de Silent Hill. Je sais pas ce qu'il y avait là-bas. C'était sûrement très 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 inutile annexe. Mais quand même, j'aurais voulu savoir. Chat, on a la clé du toit. C'est parti. C'est marrant, moi j'ai pas eu cette cinématique. Peut-être parce que tu y as pas été au bon moment, j'imagine. Je sais pas. Des munitions de pompe. Est-ce que c'est un endroit à bagarre un peu, hein? Merci. Personne crache sur un pompe, hein. Y'a rien d'autre? Attendez. Là ça grimpe, non? Ah, attends.
Encore quelqu'un qui s'est foutu en l'air. Mais qu'est-ce que ça a l'air d'être bien de vivre à Silent Hill. Oh là là. Grosse ambiance. Mais il pleut. J'ai passé la journée à regarder par la fenêtre. C'est calme ici. Il n'y a rien à faire. Toujours par le droit d'aller dehors. Timé, il peut toujours. J'ai discuté un peu avec le médecin. M'aurait-il sauvé la vie si je n'avais pas eu une famille à nourrir? Je sais que je suis pitoyable et faible, mais tout le monde ne peut pas être fort. 11 mai, toujours de la pluie. Les médicaments m'ont donné la nausée aujourd'hui. Si je me sens mieux seulement sous traitement, qui suis-je vraiment? Ok... Je m'attendais à un truc. Monsieur BLC. Ah. Quand vous êtes coincé, faites confiance à Monsieur BLC. Bon bah merci monsieur. Je savais pas où aller après ça. Les loyers de Silent Hill doivent être bas. Ah bah c'est le même réseau de recherche que Gotham City hein. Les loyers au plus bas. Des assurances de malade. Laisse tomber. Là-bas tu peux te choper un 70 mètres carrés pour 300 euros par mois. C'est n'importe quoi. Par contre tous les jours tu joues ta vie hein. T'as des assurances de zinzin. Tu peux te faire installer des volets blindés. C'est dans la même ville que là où ont été tournés tous les American Nightmare. La purge. Ah là là, terrible. Le lapin suivi toujours par le loup. On est du mauvais côté. Et il y a la grande pièce qui se rapproche, chat. Par contre, j'en ai marre de boiter, hein. Voilà. On est là, on joue les économes alors qu'on avait largement ce qu'il fallait. Jusqu'à ce qu'on ait plus ce qu'il faut d'ailleurs. Je pense qu'on va aller au bout de l'hôpital, chat. Et après, ce sera bien pour cette session. On va se faire une petite save. Alors, seringue, boisson énergisante, le jeu qui est en train de me préparer, le jeu qui me nourrit. Par contre, si le combat ressemble au premier avec Monsieur VLC, ça va m'embêter parce que je sais vraiment pas si la dernière fois j'ai gagné le combat ou s'il fallait juste tempo en fait. Sympa les chambres en toile d'araignée. Ok. Laura? Tu es là? Laura? Laura? How do you know my name? Eddie told me. That big fat blabbermouth. Laura. Elle a dit le gros rapporteur. Why do you keep running away from me? And how do you know about Mary? I just do. What's the big deal? Why can't you just tell me? You gonna yell at me if I don't? No. I won't. Please just. I need to know. He's my friend. We met at the hospital last year. Stop lying. Laura, I'm sorry. Fine. Don't believe me. See if I care. Hey. Let go. I'm sorry, Laura, but I can't let you just run around this place. You might get hurt. Hurt by what? Look, just
Stay with me, okay? This is no place for a kid. Fine. But there's something I gotta get. Laura. It's important. What is it? A letter. For Mary. Ah, c'est la lettre qu'elle avait au tout début. What? I hid it. In there. Oui, bah oui, tiens. Forcément. Derrière la grosse porte qui fait peur. Bien sûr. Par contre, j'aurais bien voulu qu'on me dise quand y aller, mais pas qu'on m'oblige à y aller. Bien sûr. Ok, wait here. Mais quel... Why should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Mais quel... Do ya? Laura, open this door right now. It's the magic word. Laura. Nope, that's not it. I guess I won't open it. Si tu dis s'il te plaît, hein. Dis s'il te plaît. In your dreams, fart face. Ah, t'as traité de patate, elle a gagné, hein. Oula. Pourquoi? C'est quoi ça? There's something in here. Sure there is. A big lying fart face. See a fart face. Laura. Elle m'a traité de patate. Je vais mourir. Je vais mourir en étant une patate. C'est horrible. C'est quoi cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça? T'es censé être quoi, toi? D'accord. C'est rigolo, ouais. Ok. Je comprends pas tout, hein. C'est trop bizarre. Ok, faut lui frapper dessus. Ok. C'est un tap top. Ça sert à rien d'utiliser des balles. Youhou! D'accord. On vise les petits pieds? Très bizarre. C'est l'instant fétichisme. Ouais, c'est l'instant. Ouais, c'est l'instant papier cadeau, je sais pas. Il est très bizarre. Je le vois se déplacer, hein. Ah! Hey. C'est marrant comme boss. Ah putain. Oh. Mais clairement il évolue, hein. S'il sort ses papates là, c'est qu'il évolue, hein. Donc c'est qu'on avance. Jusqu'au moment où il va se retrouver au sol. Je te vois, hein. Hésite pas, hein. Ok. On commence à accéder à la graisse. Ça y est, ça avance. On l'a assez entamé pour accéder à sa graisse. Et là on peut lui tirer dessus. J'aime bien comment il est foutu, hein. Yes. On voit la progression du bordel, j'aime bien, hein. Uh-oh. Mais what the fuck. D'accord. Ok, ça c'était pas dans les plans.
Ça s'arrache. Super. Ok, je peux pas fuir. On va pas tout utiliser en pompe non plus, faut pas déconner. Par contre, c'est compliqué à gérer si tu dois terminer le jeu sans flingue. Victor! Victor, Victor! Saloperie! Pourquoi il a une grosse, très grosse bouche au niveau de son trou de balle? Bizarre le mob un peu, non? Ah, il y en a d'autres! Ah, d'accord! Ah, ça c'est sympa ça! Les lèvres de chair. Oh, je la connais cette scène. On passe toujours un moment incroyable. Bon bah super. Et c'est ainsi que se termine l'hôpital, j'imagine. Je comprends rien. James. Ah, on est en train d'arriver. Par contre, ce que je commence à me poser comme question, c'est si ça se trouve, c'est pas Marie qui est morte, hein. C'est vraiment moi qui est morte depuis le début. Ok. Bon, je demanderai pas où on est parce que ça a l'air évident, on est à la maison. Hein. Avant, dans le lore, Silent Hill était une ville touristique. Ouais, je sais, ouais, on avait chopé un prospectus. Ça m'avait pas vendu du rêve de fou. Ah, on est toujours à l'hôpital apparemment. Ouais, dans une autre vibe. Hyper concentration, diagnostic actuel, soignable. Mm-hmm. Oui, j'étais venu dans cette pièce tout à l'heure. Attendez, est-ce qu'on va réexplorer l'hôpital mais différemment ? Ah bah il semblerait. Mais je maintiens, hein. C'est un autre monde, comme pour l'hôtel en fait. C'est vraiment une espèce de version jumelée où les choses sont inversées en partie, avec en plus des choses différentes. Bon bah pourquoi pas. YouTube, on va s'arrêter là pour cet épisode, on a bien avancé, on a fait toute la première partie de l'hôpital. Je sais pas, on en a pour combien de temps, mais là on attaque quelque chose de gros encore, donc à suivre dans l'épisode prochain. Un boss, un hôpital complet, une petite fille. En résumé, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui et c'était très bien. De gros bisous YouTube et à très vite. Allez, ciao! Et merci pour le follow, Germile!